shut the f*** up. Bonjour à tous et à tous, c'est Forlan, et laissez-moi vous dire que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver, et aujourd'hui les amis on va parler des handspinners dangereux, mais avant cela j'aimerais vous dire que l'entreprise m'a encore contacté pour vous envoyer des handspinners, résultat j'en ai 5 nouveaux, et comme d'habitude, hein, vu que je vous aime bien, j'ai donc décidé de vous les faire gagner. Alors pour participer c'est très simple les amis, il faut tout simplement liker cette vidéo et la commenter, je vous conseille vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube car il y a des résultats des handspinners demain en live, bonne chance à tous. Donc allez on est parti avec le sujet de la vidéo qui est les 5 handspinners les plus dangereux. Et je pense que vous le saviez, mais il existe des handspinners où vous devez faire très attention avant de les utiliser. Alors entre un handspinner qui possède des feux d'artifice ou encore même plus un fidget spinner hyper tranchant, vous allez être vraiment servi dans ce top. Alors n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin. Et on commence donc avec le youtubeur Stephen Scherer qui est vraiment très connu pour avoir testé beaucoup de handspinners. Mais dans cette vidéo, il va en tester un qui peut vous paraître normal mais qui ne l'est pas, car oui en effet, la base de ce handspinner est banal et on peut donc le retrouver sur Amazon ou de nombreux sites internet, mais attention car ce youtubeur va le rendre hyper dangereux en y ajoutant des allumettes tout autour, et donc il va nous faire une petite démonstration en activant le handspinner avec un souffleur d'air pour que celui-ci aille le plus vite possible, et une fois sa vitesse maximale atteinte, il n'y a plus qu'à allumer toutes les allumettes pour voir à quel point c'est extrêmement beau, mais il faut vraiment quand même faire attention. Ensuite on passe à un handspinner que j'adore car il s'agit d'un shuriken, mais pas n'importe lequel, car c'est celui d'un personnage nommé Genji du jeu vidéo Overwatch. Vous pouvez voir que ce fidget spinner a des pointes très aiguisées, mais je peux vous dire qu'il doit tellement être bien à prendre en main car il y a un trou au milieu qui permet de le faire facilement tourner. Il faut cependant éviter de toucher les lames quand le handspinner est en mouvement si vous ne voulez pas vous couper. On poursuit avec le plus grand spinner du monde jamais créé, et je peux vous dire que celui-ci est hyper dangereux car il possède déjà 3 parties constituées d'un grand rond, avec à l'intérieur 3 lames de couteau. Bien sûr vous ne pouvez pas le retrouver en magasin, et heureusement car c'est un danger pour les enfants. Pour preuve, le youtubeur présent dans cette vidéo va faire une petite démonstration en essayant de couper différents objets comme notamment une banane ou encore même plus une canette de Coca-Cola. Laissez-moi vous dire que les lames sont vraiment tranchantes. À la seconde place, on retrouve le youtubeur Mathias Moslund, et lui il va utiliser un handspinner normal qu'il va customiser pour le rendre dangereux. Et vous allez me dire comment il va faire. Et bien c'est très simple, si vous voulez, il va ajouter 3 feux d'artifice qu'il va placer de chaque côté du handspinner. Et résultat, dès qu'il va allumer les mèches, le fidget spinner va tourner dans une vitesse phénoménale. C'est vraiment énorme, mais il faut surtout pas être proche du fidget spinner si vous ne voulez pas avoir des retours de feux d'artifice. Et à la première place, on va parler du handspinner le plus dangereux du monde qui a été créé par le youtubeur TheDavidVTV. Ah, quand je vous disais qu'il était dangereux, vraiment celui-là, il fallait pas rigoler avec. Car je peux vous dire que si vous vous loupez, vous pouvez vous faire couper tous les doigts. Et en fait, si vous voulez, pour le créer, ce youtubeur a utilisé 3 clous de part et d'autre, ainsi que des lames de cutter hyper tranchantes qui se superposent. Vous allez voir dans cet extrait que c'est vraiment flippant de le faire tourner dans votre main. Oh my gosh. Donc voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo des 5 handspinners les plus dangereux. Et en tout cas j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en me disant dans les commentaires quel est le handspinner le plus dangereux. Si tu veux faire partie de la Mafia Squad, tu peux mettre le logo qui est disponible en description. Il existe en plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est pour rejoindre le clan de ma chaîne YouTube. Et il suffit de le mettre sur ton compte YouTube, Twitter, tout ce que tu veux. Allez, pour tous les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, on va mettre un hashtag de fin qu'il faudra mettre dans les commentaires. C'est le hashtag danger. En tout cas, merci à vous si vous le mettez, ça me fait hyper plaisir. Allez, voilà, c'était Forlan, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde. Ouais, faudrait peut-être que je fasse une nouvelle vidéo pour Lama Fâché, parce que je pense que ça l'a manqué.